Alors, être artiste peintre, pour moi, c'est en fait plus une question de sensibilité, c'est-à-dire avoir des ressentis par rapport à des formes artistiques diverses. Donc, ça peut être autant de la peinture que de la musique, ce genre de choses. Alors, oui, effectivement, ça m'inspire parce que je suis issu du graffiti, donc le graffiti. On essaie justement de ne pas forcément se limiter en termes d'espace. Là, en l'occurrence, sur des toiles ou d'autres supports de récupération, il y a un espace plus ou moins à respecter. Et j'ai tendance, moi, à peindre en dépassant tout autour du support. Donc un petit peu comme si je faisais un mur dans la rue ou dans un endroit abandonné ou autre. Le pays, je dirais le pays de la Bretagne. Pour moi, elle est assez omniprésente, c'est-à-dire que je suis toujours à la recherche d'effets de matière, de relief, de mélange de couleurs. Et dans mon travail, il y a toujours une part d'aléatoire sur le rendu final par rapport au temps de séchage, à la mélange de. Que ce soit de l'aérosol, de l'encre ou de l'acrylique que je vais mélanger ensemble, ça va donner du coup des effets plus ou moins maîtrisés, mais toujours avec une partie de hasard. Alors pour moi, c'est un peu une évolution logique par rapport au temps actuel. C'est-à-dire que j'ai commencé avec beaucoup de codes qu'il fallait respecter. Et les choses ont fait que ça a commencé à évoluer, qu'il y a eu des gens extérieurs, que ce soit dans le graphisme ou des gens des beaux-arts, qui ont commencé à aborder le graffiti ou le street art et qui ont apporté eux leurs touches. Donc, ce qui a permis de un peu briser ces codes-là et de plus hésiter à développer des choses basées sur le graffiti peut-être, mais qui en évoluant devient une autre forme de peinture et donc du coup qui n'est plus du graffiti. Les trois. Alors je dirais les trois aussi. Donc Nelson, parce que c'est mon deuxième prénom et parce que c'est mon nom de graffeur à la base. Égocentrique. Le graffiti est égocentrique de toute façon, puisque s'agit de répéter son nom. Mais là, en l'occurrence, dans mon travail, ce que je recherche, c'est justement l'abstraction de cette écriture et donc, du coup, plus forcément la lisibilité que je recherche en pratiquant le graphe. C'est quoi la troisième ? Calligraphie, sens du rythme. Et sens du rythme, c'est des lettres qui me permettent en fait d'avoir un geste continu dans mon trait, de ne pas m'arrêter et de créer justement ce rythme-là, donc d'où le nom de l'exposition rythme. Sachant que la musique électronique m'influence pas mal dans mon boulot. J'ai tendance à travailler beaucoup en musique et le fait de un peu me mettre dans ma bulle, me mettre un son dans les oreilles et puis commencer à peindre ma toile me permet justement de retranscrire ce rythme-là donc dans mon geste, mais aussi à travers la musique qui m'accompagne.